Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 10 avril, la Sainte Église célèbre Sainte Madeleine de Canossa. Écoutons la vie de Sainte Madeleine, une vie pleine de charité, d'amour du prochain, et une grande foi pour son Seigneur. Elle est née à Vérone, en Italie, le 1er mars 1774, dans une famille noble et riche, la troisième d'une fratrie de 6 enfants. À 5 ans, elle perd son papa, puis par la suite, sa maman qui dut se remarier, laissant derrière elle ses enfants. Dès son jeune âge, Madeleine avait un grand désir de servir Dieu et voulait le servir à travers tout ce qu'elle pouvait faire de bien. Ainsi, elle aimait accueillir les pauvres qui frappaient à la porte de leur domaine et leur apporter son aide. À 15 ans, après une grande maladie qui faillit l'emporter, Madeleine confie à sa famille son désir de dédier sa vie au Seigneur. À 17 ans, elle fit l'expérience du cloître à 2 reprises, mais elle sent que le Seigneur la sollicite intérieurement à une vie de don de soi à ses frères nécessiteux que la grille du cloître lui empêchait de rejoindre. Rentrant en famille à Palais, Canossa, elle accepte l'administration du vaste patrimoine familial et sous la direction du père Luigi Libera, elle alimente le feu de la charité en s'ouvrant aux cris des pauvres affamés de pain, d'instruction et de Dieu. De son fastueux palais, Madeleine regarde la misère des quartiers périphériques de Vérone où les dominations étrangères avaient laissé des traces de dévastation et souffrance humaine. Devant tous ces besoins, Madeleine cherche et trouve des premières compagnes qui, avec elle, partage une nouvelle vie de pauvreté et de charité envers les plus pauvres. En 1808, le 8 mai, elle commence à réaliser ce qu'elle sentait être la volonté du Seigneur. Servir le Christ dans les pauvres. La charité est un feu qui se répand et le cœur de Madeleine ne connaît pas d'horizon. De Vérone, elle ouvre d'autres couvents à Venise, Milan et Bergame. 30 est le nombre des filles de la charité s'accroît. Dans le même temps, elle initie aussi la branche masculine de l'Institut, puis la branche des laïcs canossiens. Madeleine obtient l'approbation des règles en 1828. Elle meurt à Vérone le 10 avril 1835, Vendredi Saint. Elle a été proclamée bienheureuse en 1941 et sainte en 1988. Sainte Madeleine, une véritable vie de sainteté. À toutes celles qui portent le précieux prénom de Madeleine, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez sainte comme votre sainte patronne. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour.